Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui, nous allons faire ce point fantaisie. Voyez, il est vraiment simple. Ça fait des petits triangles là. Il est joli comme tout. C'est vraiment très souple. Moi, je les ai fait avec les aiguilles du sein pour voir. Je prends toujours, moi, cette laine azurite. Quand je prends une couleur unie, que j'achète à Centracor. Je crois que c'est 1 euro la plotte, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher. Et elle est vraiment très très bien. Donc vous pouvez la tricoter en 3 ou en 4, moi je l'ai pris en 5 parce que j'aime bien quand c'est souple. Bon, des fois je peux pas parce que ça dépend du motif. Voilà. Donc voilà le modèle qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Il se fait sur un multiple de 4. Plus une maille. Et il se fait sur 8 rangs. Donc on va commencer. Nous allons faire 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Vous prenez la maille d'après, vous la passez sur l'autre aiguille. Vous ne la tricotez pas. Et on fait 1, 2, 3. On passe la maille, on ne la tricote pas et on fait 3 mailles. 1, 2, 3. Et on continue. 1, 2, 3. Vous faites ça tout le rang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on finit comme on a commencé par 4 mailles en droit. Le deuxième rang, vous allez faire 4 mailles envers, 2, 3 et 4. Et la maille que vous n'avez pas tricotée, on va la passer là. Et on continue. 3 mailles. 1, 2, 3. La maille que vous n'avez pas tricotée, pareil, vous la passez là. Et on fait 3 mailles. Si vous ne tombez pas dessus, c'est que vous avez fait une erreur quelque part, hein, sur le rang d'avant. Et on passe. Vous n'avez même pas besoin de compter puisque il faut arriver à cette maille que vous n'avez pas tricotée. Et on finit évidemment par 4 mailles envers. Le troisième, nous allons faire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et on va faire ça tout le rang. C'est vraiment pas compliqué du tout, hein. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop.
envers, en droit. Et le quatrième, on va faire tout à l'envers. Le cinquième rang. Hop. Nous allons faire deux mailles en droit. On passe la maille sans la tricoter. Et on fait trois mailles. Et on continue. On passe la maille et on fait trois mailles. On passe la maille. Vous voyez, quand on passe la maille, là, vous avez qu'une maille en droit tout le long. Et tout le temps. Hein. On va passer la maille. 1, 2, 3. Et vous avez votre maille en droit. 1, 1, 2, 3. On a commencé par deux mailles, on finit par deux mailles. Maintenant, on va faire pareil, mais à l'envers. Deux mailles à l'envers. On passe la maille, deux mailles à l'envers. 3, pardon. 1, 2, 3. On passe la maille. 1, 2, 3. On passe la maille. 1, 2. Il n'y a rien de plus facile. Et toujours pareil, vous tombez sur la maille que vous n'avez pas tricotée. Et on finit par deux mailles envers. Et là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va faire
une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Vous voyez, on tombe bien sur l'endroit. Une maille en vert. Il faut vraiment tomber à chaque fois dessus. Ainsi, ici, vous tombez sur l'envers, c'est pas bon. Hein. Voilà, et le dernier, et ben on va le faire tout à l'envers. C'est vraiment un point vraiment vraiment facile à faire. Quand vous avez pris le coup de main, après c'est facile. Et on le suit vraiment très facilement. Et voilà, vous voyez, ça fait comme des alvéoles. Hop là, hop, voilà. Puis c'est tant bien, franchement, voilà. Si vous voulez un pull qui s'étend, prenez ce point là. Voilà, donc un multiple de 4 plus 1 sur 8 rangs, et là vous reprenez au premier rang 4 endroits. Vous passez la maille, vous tricotez trois endroits et ainsi de suite. Voilà, il est vraiment très simple à faire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.